Hello tout le monde, c'est Abel2G, bienvenue dans le 22e épisode de Super Mario Sunshine. Dans cet épisode, nous allons terminer la Benoki avec, écoutez, les 100 pièces. Ça va être assez rapide hein, parce que j'ai une technique, moi personnellement. Bon, c'est chiant. C'est quand même long, mais je pense que c'est ce qui est le plus rapide en tout cas. On va voir un peu qu'est-ce que j'ai prévu. Allez, go. Donc on va prendre l'épisode 8 de la Benoki. Et en fin de compte, on va récupérer toutes les pièces ici, avec le poisson pièce rouge. Parce qu'on a la possibilité de récupérer toutes les pièces dans le coin, hein, bien évidemment. Mais on peut aussi récupérer toutes les pièces dans le poisson aux pièces rouges. Alors je vais d'abord vérifier là-haut s'il n'y a pas des pièces à prendre, parce que je vous avouerai que j'ai pas vérifié. Je pense pas qu'il y en ait là-haut, hein, mais bon, tant qu'à faire, on va regarder. Ça me faciliterait la tâche. Ok, par là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Au niveau de l'eau, il n'y a pas de pièces non plus. Enfin, dans l'eau, à part près de l'entrée pour aller voir le poisson. Hop. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de pièces. Hein. Donc, on va sûrement pas traîner ici. Ouais. Ouais, et puis il n'y a même plus les... Enfin, il n'y a qu'une seule corde. Oh, écoutez, on va y aller tout de suite. Hein. Yo! Ok, alors avant d'arriver dans le fameux trou pour voir le poisson, nous allons récupérer les petites pièces qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a un poisson en bas. On va les récupérer, c'est un petit chemin de pièces qui nous permet de récupérer une vie. Nous, personnellement, la vie, on s'en moque, on va pas s'amuser à la prendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre les pièces. C'est déjà ça. Et vu qu'on a le scaphandre... on peut rester dans l'eau plus longtemps. Allez, prends la dernière pièce ici quand même. Voilà, cool. Et là, on va s'approcher vite fait du trou. Normalement, on va être téléporté directement à l'intérieur. Voilà. Exactement ce que je veux. Et oui, j'ai récupéré très peu de pièces avant de rentrer. Mais ici, il y a le compte. Il y a toutes les pièces qu'on veut. Et c'est ça qui est bon. Alors, avant de descendre, on va récupérer toutes les pièces en hauteur. Première chose à faire, hein. Parce qu'il y en a quand même pas mal en hauteur, faut pas déconner. La seule chose que je pourrais reprocher à ma méthode, c'est que la maniabilité, voilà, c'est que la maniabilité, elle est à chier dans le monde. Il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment nul. Allez. Ok. Alors c'est le seul inconvénient. C'est un gros inconvénient, je vous l'accorde, mais c'est le seul. On va récupérer les pièces là-bas. Alors tu vas te calmer, tu vas aller moins vite. Voilà, tu vas te calmer direct, c'est bien. Et en fin de compte, on va y aller vraiment doucement. Voilà, pas pour éviter de tomber, parce que dès qu'on tombe, c'est un peu chiant de remonter. Voilà, ok. Vas-y doucement, Mario. Ok, cool. En bas, tu en as. Tu vas en récupérer. Et puis après, on va récupérer... Il y en a encore dans les hauteurs. Faudra bien regarder. Et il faudra faire aussi attention à notre jauge d'oxygène, hein, parce que si la jauge d'oxygène chute à zéro, on meurt tout simplement. Et les pièces nous permettent de récupérer un peu d'oxygène. Mais le problème, c'est que si on a une maniabilité pourrie comme celle-ci, on risque fortement de perdre de l'oxygène bêtement. Voilà, donc là on l'a récupéré, c'est bien. Donc j'ai dit on va rester dans les hauteurs. On va checker un peu partout s'il y a des pièces... Alors, par là-bas, il n'y a pas de pièces là où il y en a. Allons-y! Ah, mine de rien, j'en ai déjà 29, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Alors là, tu vas te calmer. Voilà. Cool. Et on y va tranquillement. Non! Qu'est-ce que c'est chiant ça? J'ai pas fini de tomber, c'est moi qui vous le dis. Ok. Ok. Non! À chaque fois, je me fais avoir. Ok, vas-y, prends la dernière pièce, là. N'embête pas. Ok, cool. Allons voir par là-bas. Là-bas, il y en a aussi. C'est très bien. C'est très bien. Hop, on se calme. Voilà. Allez. Stop, 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 stop. Va pas trop vite, Mario. Voilà, super. Il y en a encore là-bas. On va le récupérer. On va sûrement récupérer quelques pièces aussi du poisson. Hein. Et là, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Du, 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 du. Di,
Petite musique sympathique au passage, hein. Alors par là-bas, il me semble qu'il n'y a plus de pièces. Donc du coup, on peut commencer à s'enfoncer. Alors je crois que par là, il n'y a pas du tout de pièces. On va descendre tout en bas. Voir à la limite, on va se prendre un peu de pièces du poisson pour garder un petit peu d'oxygène. On va foncer en plein dedans là. Ah, raté. Ah, il est où? Il est là. Ah, mais Mario veut pas tourner. Gardez-moi cette maniabilité. Cette maniabilité. Voilà, bon, j'ai récupéré assez de pièces pour mon énergie. C'est très bien. Donc j'en ai 50. Tout va bien pour l'instant. En bas, il y a aussi pas mal de pièces, hein. On va pas se priver de les prendre. De toute façon, c'est le but aujourd'hui. 100 pièces oblige. Ok. Là où il y en a aussi. Allez, mon petit Mario. Tu peux le faire. 60. Il en reste plus que 40 à récupérer. Ok. Par là-bas, il n'y a rien. Mais ici, il y en a. Ça va que ça va assez vite, hein, quand on utilise le propulseur et qu'on descend. C'est surtout pour monter que c'est un petit peu handicapant. Allez. Alors comme je vous l'ai dit, il y a sûrement plusieurs méthodes pour récupérer les 100 pièces, hein. Moi, personnellement, j'ai toujours utilisé celle-ci. Alors après, je sais qu'il y en a qui utilisent la technique de récupérer toutes les pièces du niveau, mais en prenant un autre chapitre, hein. Enfin, un autre épisode plutôt. C'est bien évidemment faisable. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Clac, clac, clac. Voilà. Et là, il va nous manquer 13 pièces à récupérer. Normalement, il devrait y avoir d'autres pièces que je peux récupérer. Putain, mais la caméra, c'est vraiment horrible, quoi. Horrible dans ce type de niveau. Normalement, il y a d'autres pièces. J'ai dû les louper, c'est pas grave. On va récupérer les pièces du poisson. On va monter. Il va se remettre où? Il va se remettre par là-bas. Allez, tourne, mon Mario qui tourne pas dans le bon sens, ça fait toujours plaisir. Ok, allez, fonce. Fonce vers le poisson. Allez, encore un peu, encore un peu. Yeah! Et voilà! C'est tout bête, hein. Et évidemment, le soleil se place à des kilomètres d'ici. Se place où? Est-ce qu'il est allé, le soleil? Je le vois même pas. Incroyable. Ah, il est là. Le soleil est là! Le dernier soleil de la Benoki. Et nous ne reviendrons plus. Je vais y arriver à parler. Yeah! En plus, j'ai récupéré 100 pièces pile poil. Pourtant, j'étais dans un beau flot de pièces, hein. Voilà. Donc, du coup, moins de 10 minutes pour faire ça, c'est très bien. Très bien. Et maintenant, nous allons nous lancer dans le dernier monde. Enfin, l'avant-dernier. Quasi, c'est plutôt le dernier, parce que c'est le dernier monde qui propose des chapitres. En tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est pas le dernier monde, il y aura autre chose. Par là-bas, s'il te plaît, Mario. Nous allons nous lancer dans le village Pianta. Un niveau que j'aime particulièrement. J'ai de très bons souvenirs dans ce niveau. Allez, c'est parti. On va enfin récupérer un petit peu de pièces bleues là. De nouveaux soleils, de nouveaux environnements, de nouvelles énigmes, pardon. Puis de nouveaux monstres aussi, on va voir. Go! Yep. C'est parti, village Pianta. Premier épisode, les champis se déchaînent. Donc voilà le village Pianta. On peut voir qu'il y a des champs qui sont brûlants, donc qui sont déchaînés. Avant d'aller nulle part, on va utiliser notre jet pour récupérer une pièce bleue juste ici. Nice. Ça me fait 200 pièces bleues, mine de rien. Il m'en manque 50 à récupérer pour tous les avoir dans le jeu. Il me semble que c'est 250 pièces bleues, hein. Je suis pas trop sûr de moi, mais il me semble. Alors, on va quand même parler au Pianta, là. Histoire 2.
Dites, vous ne pourriez pas nous aider un peu? Les animaux de compagnie de cette brave dame ont décidé de prendre la clé des champs. Ok. C'est toi la brave dame? Mon grand-père est si lent. Ça fait une éternité qu'il est parti aux sources et il n'est toujours pas revenu. Enfin, il fait ça tous les soirs, alors. Tu me demandes où est cette source? Juste au centre du village, près du grand arbre. Ok. Bon, là, il nous indique qu'il y a une source d'eau. Près du grand arbre, donc cet arbre là. Et les chombes, va falloir les calmer, va falloir les refroidir hein. Donc on va utiliser cette source d'eau. Alors chompe, montre toi Ouh, il y en a un qui est passé par là, peut-être de ce côté là. Non, il a dû passer de l'autre côté. Ouais, il est passé de l'autre côté. Pas grave, ah, il y en a un là-bas. Allons le chercher. Alors le but, ça va être de les refroidir comme ça. On va vite arroser devant pour pas qu'il nous embête. On va le choper. Aha. Aha. Voilà, on le chope, on le tire par la queue et on le lâche. Et du coup, il va tomber dans l'eau et il va devenir tout blanc. C'est-à-dire qu'il sera bien calmé là. Encore une petite pièce bleue gratos ici. On se fait plaisir. Nice, merci. Encore un petit chien-chien, un petit chompe. Viens là, mon pote. Pas rester longtemps. Oh. J'ai du mal viser, c'est pas grave. On va essayer de le tirer par là-bas. On va se dépêcher parce que sinon, il va commencer à réchauffer. Donc là, il va réchauffer sûrement. Dans pas longtemps, voilà. Tu te calmes. Attrape-le par la queue. Et cette caméra, quoi. Je peux même pas la tourner. Voilà, quand même. Oh là 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 là. Tu te prends pour qui, toi? Toi, tu vas venir avec moi. Voilà. On va faire d'une pierre deux coups. Oh, je l'ai loupé, celui-là, là-bas. C'est pas grave. Mais, ah, mais... Oh, tu vas te calmer. Toi, je t'aime pas, hein. Alors déjà, je vais te propulser contre le mur, là. Boum. Oh, d'accord, il fait ricocher. Génial. J'avais pas calculé ça. Allez, vas-y. Énerve-toi. On va le jeter là-bas. Doucement. On recommence. Doucement. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est chiant, ça. Allez. Ok. Là, on devrait pouvoir y arriver. Mais je vois rien avec cette caméra. C'est affreux. Il est parti où? Et il est pas rentré dedans. Parce que je vois rien avec la caméra. C'est normal. Allez, tu vas te calmer, mon gars. Voilà, ça devrait aller, là. C'est bon, t'es dedans. Ok, la caméra, elle veut pas tourner. C'est vraiment chiant. Toi, tu te calmes. Ok. Tu viens là. Ok. Bim. Voilà. C'est chiant. Ils sont chiants. Mais bon, c'est fait. Et le petit soleil vient se poser sur ce petit champignon. Ouais, c'est ça. Faites pas les toutous qu'ont eu mal, là. Regardez, là. Faut le bordel. Bon, alors, avant d'aller récupérer le soleil, on va récupérer un peu de pièces bleues. Évidemment, on va pas tout récupérer. Hein. C'est pas le but, hein, parce que généralement, je récupère les pièces bleues vers la fin. Mais là, tant qu'à faire, on va en récupérer un max. Je vais d'abord nettoyer toutes ces saloperies. Alors, il me semble que il y a un triangle. Il est où le triangle? Je me suis trompé de chemin, peut-être. Ah, ça doit être par là qu'il est le triangle. En bas. Ah, il est là le triangle, ok. Donc on va arroser ça. Voilà, et on va vite se dépêcher pour aller là-haut. Et caméra qui est vachement bien placée. Allez, vite. La pièce bleue est là. Yeah. Continuez. Et on va refaire la même. Clac, 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 clac. Allez. Allez. Trois plombs pour l'arroser. Voilà.
Ok, et la caméra qui est toujours pas bien placée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette caméra, mais à chaque fois que tu veux qu'elle se place à un endroit, elle se place pas à l'endroit que tu veux. Ok, bon bah ça c'est fait. Maintenant, les pièces bleues, on s'en fiche pour l'instant. On ira récupérer les autres plus tard. On va récupérer ce fameux soleil. Et ce soleil se trouve là-bas. Merci le champignon. Oh yeah! Un peu plus et je l'ai raté. Et voilà! Wouah! Bon bah on avance, on avance. On a le temps de faire d'autres épisodes. La place Delfino, ouais, moi je la connais la place Delfino depuis le temps que je suis dessus. Mario qui enlève toujours sa casquette. Épisode 2. Il Piantissimo prend de la hauteur. Et ça va être la dernière fois qu'on va voir Il Piantissimo. Donc le coureur. Il Piantissimo, il est là. Il est en train de se marrer là. Il va pas se marrer bien longtemps. Allez, go, go. En plus, ça va être super rapide de le faire cet épisode. C'est bien moi, El Piantissimo. Tu vois ce drapeau là-bas? Très haut perché le drapeau pour le coup. Je te défie à la course. Mon record est 30 secondes. Impressionnant, n'est-ce pas? Tu es prêt? Alors c'est parti. Alors on va voir, hein, c'est qui le plus rapide. On avance, on se bouffe le mur, c'est pas grave. On a largement le temps. Et on va passer comme ça. Voilà, pépère. On peut voir que là où il y a une pièce bleue. Donc voilà, alors c'est un peu dangereux par ici quand même. Hein. Parce que c'est le vide en dessous. Hein. On récupère la pièce bleue. Et voilà. Grrrr. Ce n'était pas mal du tout. Je t'ai peut-être un peu sous-estimé. On remettra ça une autre fois, mais continue de t'entraîner. Ouais, c'est ça, ouais. À moi, le soleil. 85, hein. On avance bien, on avance bien. Là, concrètement, j'en ai 20 de soleil avec les 205 pièces que j'ai. Hein. Ça fait que normalement, on a 105 soleils. Donc, il nous en manque 15 à récupérer. Mais il nous en manque très exactement 10 à récupérer, plus 45 pièces pour avoir 5 étoiles. 5 soleils, pardon. Allez, on va faire le troisième épisode. Et vu qu'il est un peu long ce troisième épisode, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Le sauvetage du maire. Et attention, c'est la première fois que dans un niveau, on nous enlève Flood Jet. Flood, c'est le nom anglais. On nous enlève Jet. Et ouais, et Jet il est là. Il va falloir qu'on aille sauver le maire. Mais il va falloir passer à travers toute cette lave. Le problème c'est qu'on ne peut pas passer à travers toute cette lave. On va être obligé de passer en dessous le village. Et en dessous le village c'est un peu le caca. Yo, tu m'as presque eu mais tu ne m'as pas eu. Allez. Donc là on va avoir une pièce bleue. Super. Et encore dans l'eau par ici. Pièce bleue. Ok. On peut ressortir. Ils sont là les pièces bleues, je les prends. On se concentrera exactement. Enfin, on se concentrera particulièrement, pardon, sur les pièces bleues lors d'un épisode précis. Hein. Peut-être le prochain, peut-être celui d'après encore, je ne sais pas. Et là, on va descendre. Ok. Et ça, je sais pas vous. Mais j'ai toujours confondu les touches pour cogner et descendre de là. Tout simplement parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand on est comme ça, c'est-à-dire quand on s'accroche au plafond, avec le bouton A, on cogne, avec le bouton B, on descend. Alors que quand on est là, avec le bouton D, avec le bouton B, on cogne, et avec le bouton A, on saute. Et ça, c'est con, ça. Ça, c'est un gros problème, par exemple. Tu vois, tu sautes, tu sors de ta plateforme verticale. Et tu te retournes un tout petit peu et tu te raccroches dessus. Tu lui as rien demandé à Mario, mais il se raccroche dessus.
Et du coup, on perd un temps fou parce qu'on retourne sur l'île Delfino. Ensuite, on va retourner dans le tuyau. Donc, on va encore avoir un temps de chargement pour présenter les épisodes. Donc, nous, on va sélectionner l'épisode 3 et on va encore avoir un temps de chargement qui va nous présenter le niveau. Ils auraient pu mieux foutre ça quand même. Hein, parce que, par exemple, dans Super Mario 64 ou Mario Galaxy, par exemple, quand on mourait, on retournait pas sur la place. Hein, on recommençait le niveau. Là, c'est vraiment chiant de recommencer sur l'île Delfino à chaque fois. Hein. Bon, on va essayer de pas fail cette fois. C'était une petite erreur de ma part. Je vous l'accorde. Hein. J'aurais pas dû me retourner. C'est parce qu'en fin de compte, j'étais en train de vous expliquer comment je confondais les touches. Ok, bah toi, tu confonds le mur et l'eau. Bref, je vous expliquais comment je confondais les touches et du coup, bah. J'étais un petit. Non mais, hé hey. Un petit peu déconcentré là. Toi aussi, Mario, tu te déconcentres. Hein. Ça va. Hein. Ok. Donc là, on va rien dire. On va juste avancer. Enfin, on va rien dire. Si on dit rien, ça va pas être marrant. Mais là, on va faire attention à toutes ces bestioles. Parce que si on se fait toucher, bah, on tombe automatiquement. Ce qui n'est pas super. D'autant plus que le chemin est assez long. Non. Ah, saloperie, là. J'aime pas ces trucs-là. Ok, let's go. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on saute et on bouge pas. Ok. Et bon, vous voyez, ça passe. Là, on va rester sur le côté pour pas se faire électrocuter. On se met là. Et ici, le bouton B, comme pour donner un coup quand on est à la verticale. Et on arrive là. Et ça, c'est un bon souvenir. Enfin, un bon. Plus ou moins bon souvenir. Les champignons sous cette île. Hein, avec Yoshi, notamment. On verra ça sûrement au prochain épisode. Hein. S'il n'y a pas de soucis. Ok. Bing! Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi je ne m'accrochais pas. Allez, accroche-toi. Pourquoi tu t'accroches pas? Voilà. Faut vraiment se mettre au centre, hein. C'est quand même incroyable. Bien. On se met là. On cogne. On saute, on bouge pas. Ok, nice. Faut aller ici. Yeah. Voilà, on y arrive. Là, on se concentre. Parce que là, le souci, c'est que on peut se faire tout. Oh. J'ai dit, faut que j'arrête de me déconcentrer. Je dis, on peut se faire toucher par la lave. Là, mais le problème, c'est que si on se fait toucher par la lave, Mario va commencer à sauter en montrant bien qu'il a mal au derrière, hein, parce que ça lui brûle. Et le souci, c'est que il va continuer de sauter, mais sauf qu'il va sauter vers la lave. Et donc, s'il saute vers la lave, forcément, il va se refaire toucher, le bonhomme. Alors ça, c'est chiant. Voilà. Alors avant de sauver le maire, on va viser la lune. Oui. Une petite pièce bleue pour Bibi. Toi par contre je t'aime pas, toi tu meurs. Il chie des boules de lave quand même, hein. Faut le faire. Bon allez, toi je te nettoie. J'ai hâte de parler après parce que il y a d'autres choses à faire avant. Notamment nettoyer tout ça. Allez, on nettoie. On va essayer d'aller plus vite. Avec cette technique vraiment sympathique. Hein. Et je vous cache pas que cette technique, je m'en servais pas des masses à l'époque. Hein, mais finalement, elle est bien serviable. Ça prend vraiment une grosse zone. Alors ça, voilà. Vous avez vu comment Mario a sauté quand il s'est fait toucher? Quand vous êtes sur la lave, il va continuer de sauter comme ça indéfiniment jusqu'à ce qu'il aura... jusqu'à ce qu'il mourra, quoi. Toi, je vais t'éteindre le feu que t'as au cul. Yes. Ouh, tu m'as sauvé, merci mille fois. Et une pièce bleue. Yeah. Bon, on continue de nettoyer tout ça. Par contre, on va aller récupérer un peu d'eau. Quoique, je crois qu'on n'a même pas besoin de récupérer d'eau. Hein. Je vais vite fait récupérer la dernière pièce bleue qu'on peut avoir par là. Je crois qu'elle est par là-bas. Ah, elle est là. Là, vous voyez, il y a un M géant. Hop. Et on l'a nettoyé assez rapidement, le M d'ailleurs. Ok. Ok. Ah, là par contre, je vais bientôt plus avoir d'eau. Tant qu'à faire, je vais en prendre. Ok. Bon, bah là, on retourne voir le maire. Hein, pour qu'il nous donne la fameuse étoile. Le fameux soleil. Je confonds encore. Hein, alors que ça fait un moment que j'ai pas joué
à des Mario qui proposaient des étoiles. Ok. Bonjour, monsieur le maire. Piou, tu m'as sauvé, merci mille fois. Ils ont le même dialogue. Incroyable, ça. Je suis tellement content que tout le monde aille bien. Mais bah oui, tout le monde n'était pas ici. Et voilà. Épisode terminé. Et là, au niveau du time, on est bien. On a même dépassé un petit peu les 20 minutes. Enfin, un petit peu beaucoup, même les 20 minutes que je programme généralement pour un épisode. Mais là, j'avais envie d'aller plus loin que 20 minutes. On dépassera rarement les 30 minutes, hein, mais... Voilà, c'est fait. Nickel. On va se mettre face à Mario, quand même. Voilà. Donc, bah, écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de Super Mario Sunshine. Bye.